Nous nous retrouvons devant le bâtiment Zenobgram, construit depuis 1907 jusqu'à l'année de son inauguration en 1911. Il est aujourd'hui classé depuis 2004. On se trouve en plein milieu du hall d'entrée du Zenobgram. Ce bâtiment de 18 392 m² peut aujourd'hui accueillir des implantations comme l'ULB, l'UMONS, l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des enseignements supérieurs de la province du Hainaut liés aux enseignements universitaires. Il était important pendant les rénovations de pouvoir garder l'authenticité du bâtiment d'époque. C'est pour ça que pendant les travaux, beaucoup de choses ont été conservées telles quelles. À l'époque, il y a trois grandes industries qui furent la prospérité et la réputation du pays noir. C'était la houille, le fer et le verre. Le maître verrier Arthur Wibo a alors décidé de faire un triptyque pour mettre en avant ces trois industries. C'est joli, hein? Vous voyez rien? C'est normal, ce sera remis après les travaux. Ces trois vitraux sont même reconnus comme exceptionnels au patrimoine de Wallonie. Le hall d'entrée est rehaussé par cette statue du marteleur construite en 1886 par Constantin Meunier. Meunier décide de traiter le sujet de la grève ouvrière en représentant un forgeron au repos. Toutes les caractéristiques du forgeron se retrouvent sur cette statue. Il y a le tablier, les couvre-chaussures, la grosse tenaille. Cette statue est faite de bronze et fait presque 1,20 m. Si on passe par cette porte, on arrive dans le grand hall. Assez grand, ouais. Cette salle des musées avait de multiples usages dans le passé. Elle pouvait servir de salle de bal, mais aussi de grand hôpital pendant la guerre. C'était aussi un laboratoire, plus précisément un laboratoire d'aérotechnique dans les années 90. Mais elle pouvait également servir comme salle d'exposition horticole, qu'on appelle les floralies. Monsieur Zenobgram, à qui on doit le nom de ce bâtiment, était menuisier et électricien. Il a également contribué à améliorer un générateur d'électricité à courant continu qu'on appelle le dynamogramme. Si on se balade un peu dans les couleurs de ce bâtiment, on peut même trouver une salle de classe qui est restée dans son état d'origine. Même s'il est important de garder les éléments du passé, il faut penser aussi à accueillir des nouveaux éléments pédagogiques. Comme cette classe par exemple. Bienvenue devant le BPS 22, un bâtiment de style néoclassique, fait en béton, avec des verrières industrielles. Le BPS 22, c'est le musée de l'art de la province du Hainaut. Il a été conçu en 1911, a été mis à la disposition de l'expo de 1911, et un an après, en 1912, il a été affecté aux ateliers de l'école professionnelle de jour. À l'heure où nous tournons cette vidéo, le BPS 22 accueille actuellement une exposition de Laurence Dervaux. L'exposition de 1911, qu'est-ce que c'est? On peut comparer ça à une ville temporaire de 25 hectares. Cette expo montrait des industries du pays de Charleroi et des produits d'importation. Et le BPS 22 a été mis à disposition pour cette exposition. Il a été rénové en 2014-2015 et aujourd'hui, il est redevenu un musée comme à son origine en 1911. Ici, nous nous trouvons en plein cœur de Charleroi, juste entre Zenobgram, l'Université du Travail et la maçonnerie. Et c'est à cet endroit précis que se trouve la statue de quelqu'un de très important pour Charleroi, le fondateur de l'Université du Travail, Monsieur Paul Pasteur. Paul Pasteur est né en 1866 à Marcinelle. Il est issu de la classe bourgeoise. Il meurt malheureusement en 1938, mais depuis cette date, son bureau est resté intact. En 1889, il y a eu d'importantes manifestations au pays de Charleroi. On a appelé ça le Grand Complot. Paul Pasteur fut très touché à la suite des 15 morts recensés durant la manifestation. Il décida alors de s'inscrire au barreau de Charleroi. Il sera fondateur de la Fédération démocratique de Charleroi en 1892 avec Jules Destrée et Jean Caluard. Il en sera également secrétaire, mais il sera connu surtout pour sa carrière dans le Parti ouvrier belge. Alors en 1894, il est élu conseiller provincial. En 1900, c'est le premier député permanent socialiste du Hainaut. Il va d'ailleurs le rester jusqu'à sa mort. Mais en 1896, il devient conseiller communal et échevin de l'instruction publique de Marcinelle. Une vie bien remplie. Il était vraiment attaché à Marcinelle, mais encore plus à sa province du Hainaut. C'est pour ça qu'il était vraiment motivé à faire évoluer les secteurs de la santé publique, de l'enseignement et de la protection sociale. En 1901, le conseil provincial du Hainaut décide d'accorder son projet d'ouvrir une école industrielle. En 1903, son projet voit le jour pour, je cite,
répandre par des moyens intensifs dans toutes les couches professionnelles l'instruction scientifique et technique utile à l'avancement et au progrès des industries et des métiers. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul Pasteur lui-même. L'école est finalement inaugurée le 28 mai 1911. En 1927, il décide d'instaurer la fête des mères le dernier dimanche du mois de mai. C'est une habitude qui sera ancrée dans le pays seulement 10 ans après. C'est trop mignon. Comme son ami et collègue Jules Destré, il plaidera pour l'autonomie wallonne. En 1912, il fera même partie de l'Assemblée wallonne où il représentera la ville de Charleroi. Paul Pasteur est décédé le 8 juin 1938. Son urne repose à côté de celle de son ami Jules Destré, décédé 2 ans auparavant. Sur leur caveau est inscrite la phrase « Les familles Pasteur et Destré, unies dans la vie, réunies dans la mort ». Comme dirait Pasteur, qu'importe, tout droit. La chaufferie est un bâtiment créé en 1950. Il permettait de chauffer l'intégralité de l'Université du Travail. La chaufferie est composée de 2 chaudières qui sont alimentées par des chariots remplis de charbon qui se déplaçaient sur des rampes métalliques qui sont toujours visibles aujourd'hui. C'est comme ça que la vapeur se déplaçait dans tout l'UT par des conduits souterrains. Le bâtiment fait 2500 m² de superficie et est composé de 7 étages différents. On peut par ailleurs y retrouver un grand hall d'exposition, 3 ateliers, plusieurs classes, une cafétéria et des espaces de bureaux. Anciennement, le bâtiment était occupé uniquement par des élèves de l'IFAPME. Mais depuis septembre 2023, on peut également y retrouver des bacheliers professionnalisants. Et depuis le 2e étage, on peut retrouver une vue imprenable sur tout le périphérique de Charleroi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur l'esplanade. Derrière moi, le bâtiment se prénomme Zenobgram. Juste ici, c'est le roulier. Ici, le BPS 22 et la maçonnerie est juste ici. Suivez-moi. La maçonnerie. En 1912, ce bâtiment était un atelier lié à l'enseignement industriel. On pouvait y travailler le fer, le bois, la soudure. Le bâtiment doit son nom de maçonnerie au fait qu'il a ensuite et jusqu'à nos jours abrité les ateliers de maçonnerie de l'enseignement provincial secondaire. De nombreux apprentis, hommes et femmes, maçons, se sont entraînés dans ce vaste hall à construire des murs grandeur nature. On ne fait plus trop ça aujourd'hui ici. Ah oui, pardon. Aujourd'hui, ce bâtiment ressemble à un grand hangar recouvert d'une verrière, soutenue par une charpente métallique. Cette verrière est tellement ancienne et si belle qu'elle est classée dans le patrimoine wallon. Ce bâtiment entièrement rénové de 3600 m² peut accueillir désormais de nombreuses salles de classe, un auditoire, des salles de réunion et un hall d'entrée polyvalent. L'important pendant ces rénovations, c'était de garder un maximum du patrimoine tout en y accueillant des outils pédagogiques nécessaires aujourd'hui. C'est pour ça que lorsqu'on a trouvé ces galeries qui datent de l'époque de Vauban, on a essayé de les mettre en valeur et de les garder le plus possible. C'est vrai que Charleroi est une ville qui a beaucoup de souterrains. Alors heureusement pour les rénovations, pas besoin de les recouvrir verticalement. Et maintenant, nous nous trouvons devant le bâtiment roulier. Ce bâtiment a été créé pendant les années 80 et à l'époque, il arborait de belles couleurs rouge et noir. Il a été remodernisé et il est maintenant noir et blanc. Il fait 45 000 m² de superficie et accueillera près de 3000 personnes par jour dans le futur. Ce bâtiment faisant partie de la Cité des métiers contient plusieurs étages. Alors, chaque étage correspond à un apprentissage de métiers différents. On a le niveau A, par exemple, pour tout ce qui est des métiers automobiles, le niveau B pour l'industriel et la plasturgie, le niveau D pour les métiers de la menuiserie, et allons ensemble visiter le niveau C. Nous sommes dans le premier étage rénové du bâtiment roulier. Il est rénové de la même manière que tous les autres bâtiments de l'université de Charleroi, dans un style assez moderne. On peut y accueillir plusieurs salles de classe, mais surtout le centre d'orientation de la Cité des métiers. Devant la cité administrative et la bibliothèque de l'Université du Travail. 3 fonctions dans ce bâtiment, direction, administration et bibliothèque. Ce bâtiment de style art déco érigé en 1931 est construit sur une parcelle triangulaire. L'architecte a dû bien se prendre la tête, mais il a bien réussi son travail car chaque angle du triangle contient une pièce. Un bâtiment reconnaissable de l'intérieur grâce à son jeu de briques
et son insert de marbre noir. La bibliothèque se nomme Bibliothèque Langlois et comporte 120 000 titres de livres différents. Derrière moi se trouve le mémorial de Jules Yernaud, l'ancien directeur de l'Université du Travail. Malheureusement, ce bâtiment était sous commande d'Anturo durant la Deuxième Guerre mondiale et Jules Yernaud a été lâchement assassiné par des rexistes le 29 juillet 1944. Derrière cette porte que se trouve le bureau de Paul Pasture. Mais ça, on en parle dans une prochaine vidéo.